fait, j'ai passé un an, j'avais demandé à avoir aucun poste dans le bureau. Donc j'étais là en soutien avec le trésorier, avec pour le salon du savoir-faire avec Georges Blaison. Et du coup, j'essayais d'être là un peu partout, mais sans avoir vraiment de poste prédéfini. Et puis en fait, Laurent Démare était sur sa troisième année de présidence du club. Et il pouvait pas renouveler. Et puis personne du bureau n'était prêt à prendre le poste de président. Et puis je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Mais par contre, c'était un sacré challenge parce que d'arriver à la présidence et puis en plus, on se démotive un peu en fait à trouver des thématiques parce qu'en fait, lorsqu'on n'est pas tous ensemble et tout ça, c'est pas évident. Donc j'étais bien aidé avec le Cogito, avec Johanna et Maël. Du coup, on a pu toujours garder un peu le lien avec les adhérents, mais c'est jamais évident en fait. Donc, moi je suis hyper frustré parce que, mais comme tout le monde, en fait, on est tous frustrés de ne pas se rencontrer. Donc, vraiment, la soirée de juin et juillet c'était vraiment chouette parce que c'était le seul moment où, en effet, j'avais plus mon rôle de président parce que, et après, le mot président, moi ça veut rien dire hein, dans le sens où on est 10 membres du bureau, je considère qu'on est tous à égalité et puis même avec les adhérents. Après, c'est pas évident non plus pour les créateurs d'entreprise qui arrivent dans un contexte comme ça, et pourtant il y en a. Et que ça qui s'installe sur le territoire, c'est encore plus encourageant parce que ça veut dire qu'on va créer un vrai tissu professionnel et plus on va avoir de services à proposer sur un territoire, plus les gens vont vouloir aussi s'installer. Et c'est tout ça qui. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Plus il y aura en fait de prestataires de services, plus les gens voudront venir dans une petite ville plutôt que d'aller dans des grandes villes voisines. Donc. C'est tout l'objectif. Donc, si on peut attirer les nouvelles entreprises, mais avec plaisir, quoi. Et puis, la concurrence, c'est que positif.